que nous voyons qui raison qui ça que nous avons fait ça. Et l'autre aspect qui a fait là, c'est que l'autre fait là, qui permet que quand petit malheureux et malheureux bénéficier. Parce que je dis à vous parler d'une activité, là, on a un petit machin, il y a un conseil à Dominicana, il y a toute l'activité qui a fait froid. Donc, plus de jeunes qui ont produit, ils ont un espace pour exposer. La municipalité a une possibilité pour exposer. Donc, plus de jeunes qui ont un qui fait produit. Mais il n'y a pas de côté. C'est le mouvement fait là pour que vous vendez un petit peu petit pot. Pour nous-mêmes, nous pensons que organiser fait là, pour un peu de monde, c'est vrai que vous pensez que c'est fait par des mots, c'est par comment dire ça, qui n'est pas chrétien, c'est pas ça l'idée. Au contraire, faites là lui-même dans toute destination, attraction, c'est lui qui fait vie destination. Pas une destination sans événement. Quel que soit l'événement, et ça fait que nous-mêmes, municipalité, nous tiens. Bon, pour que nous travaillons, nous produisons en production pour nous-mêmes, pour que tout le monde puisse joindre à différents niveaux. Et je dis, nous changeons les choses, nous essayons d'innover. Nous ne pouvons pas faire un petit bagage sur Mme Béga pour l'instant. Nous pouvons faire un spectacle devant, comme show, pour que nous baillons, pour nous vendre l'expérience, pour nous soit avant nous que j'ai, pour nous connaître la radio avant. Parce que nous, là, nous parlons, nous parlons quitter les responsables des vêtements en attendant que nous avons différentes autorités qui là, nous parlons. Nous avons un délégué départemental qui là, pour lui-même, c'est qui croise, qui a un coordinateur de coordination du département qui là, qui concerne les Bacabaïciens qui sont responsabilités, qui concerne les parfaits de la route. D'ailleurs, c'est jamais dit à cela, mais pour là, vous voyez. C'est-à-dire que quand même, il y a un beau bal pour dire. Nous avons un vice-délégué qui c'est. Arrondissement Cap-Haïtien qui concerne, nous avons pensé que Kazek, nous avons une zone qui est la plus visitée de la radie dans le moment. Pour dire que c'est un niveau de plus, mais dans la mer. C'est-à-dire que responsabilité, nous pensons que faut la sous table à tout, pour participer avec nous, parce que nous pas seulement c'est vrai, c'est une radie, ça pour maintenant, mais nous même comme chef de section, nous avons là pour participer avec nous. Malheureusement, nous n'avons pas eu avec les invités, avec le titre qui parle là, mais nous avons invité tout. Mais nous pensons que c'est important pour que nous même nous baillons nos paroles, parce que nous avons besoin de plus de monde dans la zone paroles, pour que nous participions avec nous. Nous avons une madame qui l'a peut-être, nous habituons, nous avons un autre événement, mais nous avons un village, Jotia et la municipalité, dans le moment là, nous avons un jumelage avec la ville d'Alada de Bénin, pour que les restaurants nous avons visité déjà. Et là, petit Bénin, nous avons un point commun, c'est que c'est l'ouverture, c'est-à-dire la production de la canne, dans sous sol. On ne peut pas parler de lui, on va quitter les responsables là, et même capable de plus de détails sur ça. Chaque fois qu'il a un bar, on va laisser le soin d'abord à notre cérémonie, on va faire le point par rapport à chaque fois pour que nous avancions sur le point. Pour nous, cette activité qu'il y a avec Méria, c'est voilà, nous sommes avec qui est autour de la municipalité qui a fait. Voilà, on a fait 12 recettes pour ce besoin-là. Donc, l'inscription est toujours faite dans la mairie. Donc, là, on a besoin d'inscrire dans la place dans la mairie. Pour le tour de la municipalité, c'est le 16 août. Donc, il y a une délégation qui est venue avec nous. On a tout profité pour nous mettre quelques monde, pour nous venir venir ensemble avec nous, pour nous inscrire dans la mairie. Donc, on a fait 100 dollars de la finisseur. On a fait 50 dollars de la finisseur. Donc, c'est ça qui est lié à l'activité de la mairie. Après, ça, calendrier est 17 ou 19 août. Puis, sur les réseaux, c'est ce que nous avons fait. D'accord, tout suite. Et municipal là, on est capable de faire partie de l'équipe capable constituée du côté du Cap-Haïtien jumelage là. Parce que jumelage là, c'est deux villes. Ville d'Alada du Bénin et ville Cap-Haïtien d'Haïti qui pourra mettre ensemble un série d'aspects dans la vie sociale. C'est-à-dire. Villa et jumelage là, il reposait sur les arts et la culture, sur l'éducation et la science, sur le tourisme et le commerce, sur l'environnement, moins le développement durable et l'industrie, le sport et le loisir. Donc, tout secteur, ça, on a rencontré avec les gens. Et je dis, à travers la presse, toute communauté a parlé au courant et déjà au courant de ça qu'on va le passer. En termes de jumelage entre Cap-Haïtien et Bénin. Même là, tout le temps de jumelage, nous n'avons pas toujours diffusé, mais nous voulons que le jumelage Cap-Haïtien avec la ville d'Arada ait un plus grand impact au niveau communautaire. Côté que pour tout axe qui pourra le développer pendant 5 ans, le jumelage là, on sait qu'on va le faire, bien entendu. Donc pour tout le monde qui concerne les axes là, on est capable de représenter et surtout interagir et surtout
participer pour réussir du jumelage là et encore bénéficier de jumelage là. Donc, en quelque sorte, le jumelage Haïti-Bénin, comme magistrat Patrice dit, c'est un retour à la source. Parce que Haïti, haïtien que nous y est, nous sortis en prépondérance au niveau de la ville de Bénin, du moins le pays de Bénin. Donc, en pile dans nous sortis dans le royaume d'Alada. Donc, c'est en sept nous y est, dis-je. Alors, là, nous disons, en pile dans nous, c'est en sept nous y est. Donc, nous-mêmes, c'est descendants esclaves qui sont sortis dans la côte ouest africaine, ce qui veut dire que nous, en jumelage avec la ville d'Alada, c'est un retour à la source, un retour à nos origines. Donc, magistrat Ibrose te dit, l'altalement visite-lui au Bénin, il va te sentir dépaysé. Dans la guerre des populations béninoises, là, il te voit, c'était nous-mêmes qui étaient en passé. Donc, du 13 au 18 août, nous allons recevoir 18 Béninois qui pourront en visite responsive dans le cadre du jumelage au Cap Haïtien. Donc, nous souhaitons que la population va au bon accueil et surtout que passe un bon moment d'accueil. Merci. Nous c'est au Cap. Nous pas seulement parler là et pour le Nord, on a parlé pour le Cap. Parce que nous c'est un maillot qui est bien dans la chaîne. Donc, Marie, c'est à l'habitude de faire Berbeza déjà. Je pense que c'est continuer à continuer et avec Berbeza et sortir à Nessa. Bah, la pichou. Ils ont fait, t'as vu, une fête, mais ce n'est pas spécial. Parce que, en réalité, moi, félicité. Et cadre municipal là, depuis qu'il est monté sur le communal, qui toujours prend l'initiative ça, organiser des grands événements. Et ville cabahisée, pas seulement un monument historique, mais ville cabahisienne, sont touristiques. Ça veut dire en réalité, les gens qui viennent pour visiter, ils ont venir avec toute confiance. Et moi, pour eux, même si la police n'est pas présente, même des réunions qui font avec la police déjà, sécurité à la bataille. Personne n'a pas besoin de peur. Je dis que c'est cabaye sur le PT, il n'y a pas de problème. Et que l'autorité, qui concerne avec la justice, la police, nous là pour que nous assurer la sécurité de tout le monde qui vient pour venir. Donc, je vous souhaite tout le monde bienvenu et je vous dis tout le monde bonne fête déjà. Merci. Le ministère travaille défoncé avec toute institution. Et culture, tourisme, et tout le monde est. Là, même si on n'a pas pris ça avec l'idée à son tableau, mais c'est mon premier rencontre de fait matin sous question du jumelage. Peut-être que ça se fait au bac avec l'idée, mais tout le monde est inclus, toute institution est inclus. Et de fait matin, et derrière mon budget que vous voyez, et depuis le mois de juin, qui est un montant qui c'est 40 millions, 64 millions de gouttes. Pour un somme d'activité, nous prévoyons. Mais juste, et nous n'avons pas de la paix, nous faisons cela là. Mais il y a pour gagner un centime de la part du pouvoir central là et pour activité. Et même avant, et trois semaines avant le lancement, nous avons une visite à l'IDH et il y a un journaliste en ligne écrit par les télévisés ensemble avec nous. Et nous avons suivi avec le directeur IDH pour nous connaître qui besoin qui a gagné. Et je me parle avec le directeur Riquetim, le directeur général de IDH a été suivi. Mais je ne peux pas avoir une garantie. Non, je ne peux pas parler avant là pour nous dire à bien courant pour faire le cap. D'ailleurs, nous toujours dit ça, nous courant n'est pas occasionnel. La population doit être courant. 24 sur 24 pour fonctionner. D'ailleurs, nous connaissons Blackout, c'est un problème qui cause l'insécurité. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons toujours plaidé pour qu'il y ait courant dans la ville. D'accord, merci. Ni pour empêcher et quoi que ce soit à faire. Mais pas oublier, chaque institution a un rôle par eux, que nous toujours expliquer. Et l'Igera, Vigno et Gouyo, route ça c'est pour travaux publics, TPTC. Et je pense que chaque monde doit jouer et participer. Et dans peu de temps, on va pouvoir nous promettre et toute la vie dans les voies. Normalement, parce que nous connaissons, il faut gagner et carburant, il faut que tout le camion soit disponible pour ça. Ça veut dire que TPTC a travaillé pour curer la Vigno.
Mais l'autre dit que ça, ouais, et salubrité. Et salubrité, ça que nous dans ce slogan, nous dit nous c'est au cap. Si nous c'est au cap, moi, ou même, lui-même, yo tout, nous tous c'est au cap, quand nous tous mettons même au cap. Parce que mairie en soi, pas jamais une possibilité de parler devant votre chaque monde. Il faut chaque monde parler devant votre yo, il faut chaque monde contribuer pour permettre le cap propre. Parce que même les nous ramassons pas de drap. Maintenant, l'orga d'avenir pour bon fil qui dit que c'est ça qui est là déjà. Moi, je pense que c'est ça. Et nous, c'est au cap. C'est nous tous pour collaborer pour au cap.